Je m'appelle Kevin, j'étais dans le domaine du web pendant, on va dire, plusieurs années. Et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle, une reconversion entrepreneuriale pour le coup. Et j'ai toujours été intéressé par le développement du potentiel humain. Donc j'ai eu l'occasion d'être instructeur Wim Hof, également sur toutes les techniques de respiration. Et je m'intéressais également via la respiration à tout ce qui était préparation mentale. Alors j'avais déjà eu l'occasion de m'intéresser à pas mal d'outils. Et je trouvais que c'était beaucoup un petit peu la solution soit pansement, soit la solution très théorique. Et j'avais besoin d'une trame et d'aller vraiment à la base de la base de la base de la base. Donc j'ai eu l'occasion de lire pas mal de livres où on va avoir par exemple 10 000 outils. Mais je me suis dit ok, j'ai plein d'outils mais je ne sais pas quoi en faire. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre, on avait échangé. J'ai lu également son bouquin et au bout de quelques pages, j'ai déjà fait des switches au niveau du cerveau. Et je me suis dit ok. Intrinsèquement, je me suis dit, ouais, c'est ici qu'il faut que j'y aille. Après une dépolarisation, j'avais vraiment la sensation d'avoir travaillé sur quelque chose. Je ne savais pas forcément qu'est-ce qui avait bougé, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait bougé. Donc, il m'a fallu quelques dépôts. Je n'ai pas forcément fait sur le domaine sportif. J'ai fait plutôt sur par rapport à des blocages que j'avais de manière générale. Ça m'a aidé à prendre des décisions au niveau de mon travail d'entrepreneur et ça m'a également décoincé sur pas mal de choses au niveau sportif également. Alors ça change énormément de choses, donc à savoir que j'accompagne des athlètes, j'accompagne également des entrepreneurs, donc des coachs qui veulent justement développer une activité notamment en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de peur via ces personnes-là. On va avoir la peur d'être légitime, la peur de ne pas y arriver, la peur de beaucoup de choses. Et rien qu'en utilisant la dépolarisation ou des parties ou des fragments de la dépolarisation, j'arrive à avoir des switches où les personnes arrivent à avoir une transformation finalement sur une séance parfois de 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la personne avant et voir la personne après où elle avait des blocages et de la voir finalement de se libérer de ça. C'est un truc assez intéressant. Je leur proposerais déjà, s'ils n'ont pas lu le livre, de le lire. Ça leur permettrait d'avoir finalement un bon aperçu de la méthode. Après, par rapport à mon expérience, peut-être que c'est des personnes qui se retrouvent finalement dedans. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec énormément d'outils, de ne pas savoir finalement quoi en faire, ça n'engage que moi bien évidemment, la dépolarisation permet vraiment d'avoir un outil qui va vraiment travailler sur énormément de choses. Donc voilà, je vous invite à tester sur vous-même et puis également de rejoindre le programme parce que pour moi, ça a été un très très bon investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt un petit peu dans l'engrenage, dans le développement personnel, dans le développement du potentiel humain, à partir du moment où vous êtes rentré dans la dépolarisation, vous avez un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est quelque chose qu'on peut travailler autant avec des athlètes, autant avec des entrepreneurs, parce qu'avant tout, on est des êtres humains. Et de se changer soi-même nous permettra par la suite d'être meilleur dans notre discipline sportive, être meilleur en tant qu'entrepreneur. Et moi, je peux le noter sur finalement tous les différents aspects de ma vie où j'ai eu des changements. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester et vous en faire votre propre opinion.